Eh bien, Tedabro, Paja Lavat, on se retrouve aujourd'hui pour une réaction. Alors, pas forcément à une personne, mais à plusieurs personnes. Donc, on va réagir à Monsieur Alexandre Ivanov et le groupe Rondo, ainsi que le moine Père Cyprien. Donc, vous m'avez proposé ce lien quand même pas mal de fois. Donc, si vous ne voulez manquer aucune vidéo qui sort de la chaîne, donc n'hésitez pas à cocher ce petit logo avec la cloche des notifications pour recevoir toutes les vidéos et toute information qui sortent de ma chaîne. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier. Alors, si vous ne connaissez pas, je pense, Monsieur Alexandre Ivanov. Je vais vous mettre une petite fiche ici. J'avais déjà réagi sur lui, d'après ce que je vois. J'avais réagi sur lui. Donc n'hésitez pas, il y aura une petite fiche ici avec sa playlist des titres sur la chaîne. Et si jamais vous voulez en connaître plus, n'hésitez pas à descendre dans la description. Le premier lien, ça sera sa chaîne YouTube. Et le deuxième lien, ça sera le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Alors, on y a réagi il y a très peu de temps avec Vika Starikova, mais là, on va réagir sur le moine Père Cyprien que vous m'avez énormément encensé, on va dire, entre guillemets, et le groupe Rondo et Monsieur Alexandre Ivanov, c'est le titre Rodine. Donc, on va y aller tranquillement. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez aider la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Il y a toujours mon YouTube, mon VK, mon Instagram, mon Telegram. N'hésitez pas à vous abonner, à communiquer. Je suis très ouvert à la communication et je suis gentil, très gentil, surtout gentil. Après, on m'a dit gentil n'a qu'un œil. Mais bon, moi j'en ai deux, mais ça n'empêche pas, je suis gentil quand même. Voilà, donc j'espère que vous allez apprécier. On se retrouve tout de suite pour mon ressenti. Alors, je connais la chanson, évidemment, hein. Je l'ai déjà entendu 3-4 fois, avec trois réactions différentes, pardon. Et là, on est parti. J'espère que vous allez apprécier. À tout de suite pour mon ressenti. Allez, à tout de suite. Je vous aime vraiment très fort. À tout de suite. Ну и к нашим искренним поздравлениям присоединяется советский и российский военный деятель, авиационный военный штурман, полковник запаса, герой Советского Союза, советник президента Российской Федерации, монах, отец Киприан и солист группы «Ронда» Александр Иванов. Родина! Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишка лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда, белый свет берегу, дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит,
и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Oubliez les choses. Franchement, n'hésitez pas à me dire honnêtement, sincèrement, ce que vous avez pensé de ce entre guillemets duo entre Alexandre Ivanov. Le groupe Ronda et le moine Père Cyprien, franchement, c'était un duo très, très dans l'émotion, je trouve, très subtil dans l'émotion, très doux, très... Franchement, c'était vraiment incroyablement bon. Et le Père Cyprien, bon, il chante comme il peut, hein. Il chante plutôt, comme un amateur, on va dire, entre guillemets. Mais franchement, c'était vraiment une très belle interprétation, très touchante d'ailleurs, je trouve. Et toute la salle était en rouge et bleu. C'était juste très, très beau. Aïe, j'ai mal au nez. Enfin, c'était juste vraiment très beau. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, Alexandre Ivanov a une très bonne voix. Donc, n'hésitez pas à me proposer des choses, hein. Bon, le moine Père Cyprien, une voix un peu moins bonne. Hein. Je pense qu'il n'a pas fait une carrière de chanteur de dingue, quand même. Mais franchement, de l'avoir fait participer à ça, il y a bien une raison. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il doit avoir vraiment une raison très importante. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain sans faute pour la prochaine vidéo, hein, lundi donc, pardon, je suis perdu, ou samedi, je ne sais plus quand est-ce qu'on est, non je plaisante, je ne sais surtout pas quand est-ce qu'elle va être mise, eh oui parce que là je tourne, on est vendredi soir, voilà, pour vous donner un peu de pips, alors oui, il y a des vidéos sur lesquelles vous m'avez demandé de réagir, alors vous allez voir, c'est monsieur Grigory Leps, Madame Palina Gagarina et Monsieur Chaman. Donc, ça devient compliqué, j'ai plus de lien. Et oui, alors là, je suis un peu dégoûté.
Je suis un peu dégoûté parce que ces trois chanteurs exceptionnels qui ont été sanctionnés par l'Union européenne. Vive l'Europe! Non, super, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre parce que là, on attaque la musique. Je comprends pas l'intérêt. Mais bon, bref, on va passer à autre chose. On se retrouve demain. Je vous aime vraiment très fort. À demain pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle. Allez, à demain, je vous aime. Дедовы медали за Берлин и за Прагу и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное. Это где-то в глубине, это самое святое, что осталось.